Non mais voilà, tout est dit. oui, Vous voulez mais réagir, alors allez-y, Naïma moi je suis Fadel. peut-être la seule hein, qui suis Contre? oui, je suis contre armer la police. Je veux dire, mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce que d'ailleurs, même à la lumière de ce que vient de dire Céline, c'est extrêmement important. Donc, c'est absolument pas la même chose. Mais ils sont égalisés par le bas. Non, mais c'est-à-dire parce que certaines municipalités. Donc, je ne veulent pas investir dans la sécurité de leurs habitants. Si, effectivement, l'État. Finalement, c'est des finasseries, mais, tout ça. Je suis désolée Stéphane, de le dire. Stéphane, je vais vous répondre, mon cher Stéphane. Ben, en fait, je ne vous dis pas, au contraire, moi, cet ensauvagement de policiers nationaux. Moi, je voudrais donner juste un exemple dans l'affaire de Samuel Paty, dans l'assassinat de Samuel Paty. Dans l'assassinat de Samuel Paty, pardon, mais l'assassinat de Samuel Paty, qu'est-ce qui s'est. Sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. En sécurité de protection des citoyens. C'est surtout, ça doit mettre les moyens. Je voudrais finir ma phrase. Surtout, c'est exactement l'inverse. Si vous voulez, mesdames, dis que votre raisonnement. En même temps, on a du temps, on est là pour ça. Votre raisonnement consiste à niveler par le bas. Voilà. Et puis il faudrait peut-être dire aussi non, je crois que c'est l'inverse. À dire que dans les villes qui n'ont pas les moyens ou pas la volonté, et dans le cas de Nantes, 300 000 habitants, c'est une absence de volonté, à s'armer et que la réponse de Céline Pina par justice, par égalitarisme, il faut que tout le monde s'aligne. En tous les cas, il y a de l'enthousiasme sur ce plateau, hein, parce qu'avec vous, c'est vif. Hein. Oh les bâtards, Joker fort, je me casse. Peut-être qu'il faut arrêter de parler de ce qui fâche. Oh là là, là vous me tombez le meurtre. Non, allez-y, bah, moi j'ai une bonne note. Alors je l'ai. Soit dans le cocorico. Hello.